Le quatrième cercle économique régional des Premières Nations réunit 200 participants. On y parle d'inclusion des peuples autochtones dans l'économie québécoise et plus particulièrement nord-côtière. Là, on parle d'un territoire. Le premier atelier, intitulé « Développement durable et histoire à succès », regroupait les dirigeants de trois grandes industries de la Côte-Nord, dont l'aluminerie Alouette de Sept-Îles, qui ont témoigné de leur partenariat avec des compagnies ou communautés innues. Aujourd'hui, Tsuetsen Solutions d'affaires est un de nos meilleurs sous-traitants. Minerai de fer Québec, commanditaire principal du cercle économique, a signé une entente sur les répercussions et avantages avec la communauté de Ouachat-Macmaniotenam pour l'exploitation de la mine de fer du lac Bloom. L'objectif ultime, c'était, bon, peut-être c'est prétentieux, mais on dit on voudrait faire de Minerai de fer Québec un fleuron, puis pour ça, bien, il faut opérer sur le territoire avec respect. Ces deux exemples démontrent l'évolution des relations entre certaines compagnies qui œuvrent sur la Côte-Nord et les premiers peuples, devenus au fil du temps des incontournables du développement économique de la Côte-Nord, particulièrement lorsqu'il est question d'exploitation de ressources naturelles. ArcelorMittal a profité de l'événement pour annoncer qu'une des fosses de sa mine située près de Fermont sera exploitée exclusivement par les Innus. L'idée, c'est de créer une entreprise et aussi dédier une fosse spécifique chez nous à Amorite qui va les aider dans l'apprentissage de l'exploitation minière. Il y a une opportunité qui est présentement sur la table pour la communauté. Bien, c'est la suite logique de ce qu'on a fait, des efforts qu'on a mis pour qu'on puisse intégrer graduellement. Parce qu'encore aujourd'hui, quand on regarde les conditions socio-économiques dans les communautés, elles sont moins avantageuses que dans la population en général. Pourquoi les communautés autochtones ne pourraient pas être propriétaires d'une mine? Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, voit d'un très bon œil le renforcement de la présence des premiers peuples dans l'économie. Je pense que les gens veulent vraiment agir comme de vrais partenaires et également contribuer au développement, à leur propre développement. Donc, je suis extrêmement confiant qu'on est sur la bonne voie. Et au-delà de tout ça, bien, c'est le vivre ensemble, hein, beaucoup. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Ouachat.